Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Il est direct dans le thème, je suis avec Yacine et Omar. On s'est dit il fait beau, on est en Turquie, donc autant profiter, on va faire quoi? Les gars, blague, celui qui rigole, il paye, si tu rigoles pas, je paye pas. On fait quoi? On fait une blague? En mode toi tu me fais une blague. Si moi je rigole, je paye, si je rigole pas, c'est toi qui paye. Les gars, c'est pas, rassurez-moi, c'est pas une calvitie ça. Non, c'est juste... C'est un début de calvitie. Arrêtez! En allant sur la route du magasin, regardez ce qu'on a trouvé. Nadji, il a la même coupe que Younes à la piscine. Ah, tu veux commencer toi? T'as rigolé Yacine? Ah non, non, mais ça compte pas, ça si, compte si, pas. Si, si, non, si, non, si, non, si, non, ça si, pas. Si, Wallah, ça compte. Wallah, ça compte. Arrête, non, non, non. Non, si, si. Ça comptait pas, ça comptait pas, t'as même pas annoncé le thème. Bah, c'est ça, en 24 heures, frère, c'est discret. Non, à partir de maintenant, ça compte. Non, 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 t'as pas dit, non, t'as pas dit, ça compte, ça compte. Ça a commencé à partir du moment où Younes, il a activé la caméra. Non, il a raison. Il faut dire à partir de maintenant, ça compte. Là, à partir de maintenant, ça compte. À partir de maintenant, ça compte. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. On va tester la machine à patates, les mecs, on est obligé. J'ai un lira turc. C'est un euro, c'est un euro. Mais pas non, si là, t'es mal, il y a un lira. Ouais, il y a un lira en vrai ici, on va regarder. Ah ouais, t'as une patate par contre. Une seule patate. Ouais. Oh lolo. T'as fait ciseaux pour voir comment qu'il la met. Attends, déjà, appuie. Si, regarde là, il y en a zéro, regarde. Zéro ouais, en bas. Zéro. Ok, pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Oh le patate. Et moi, pierre, feuille, ciseaux. Ok, Yacine. Pierre, feuille, ciseaux. Oh, j'ai tapé les deux. Oh, le gamin. Attends, mais tout repose. Le record, il a combien? Regardez. Le record, il a 2696. Si tu bats le record, je t'achète ce que tu veux. Que si je bats 2600? Ouais. On t'achète okay, ce que... Non, 2696. Omar, donne-moi un petit conseil. Toi, tu connais grave les trucs en main. Je sais pas, tu te mets comme ça. Je sais pas. Vas-y, go. 2696. Allez, c'est parti. Non, c'est impossible. Oh. Allez, allez, allez. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Oui, 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 oui. 2200. Non, t'es éclaté. Putain, il a fait tout ça pour ça. Attends, à tout moment, avec un peu de chance. Non. Je suis grave content, je gagne un perfect ciseau contre eux deux. Moi, là, il y a que moi qui a mis une patate. Bon, les gars, là, on arrive à droite. Soit on a un bazar, bière. Ou soit on a des centres commerciaux. Vous voulez qu'on aille où? Centres commerciaux, non? Ouais, ouais. C'est mieux avec les vrais trucs. Bah, vas-y, on continue tout droit, les frères. On arrive presque au magasin, les gars. Regardez, on voit quoi sur la gauche? Wesh, ils ont des toboggans. Attends, je vais carrément traverser la route. Je vais traverser la route. Eh, c'est archi beau, les mecs. Hein. Nous, là où on est parti, là où je les ai emmenés, c'est pas du tout comme et ça. Hein. Regardez, je vous montre. Oh là 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 là. Eh, dites-vous juste que sur les images, notre hôtel, il avait l'air 10 fois mieux que ça. Ouais. Oh, c'est un truc. Ils ont une piscine, elle est gigantesque. Ils ont des grands toboggans. Waouh. Wow, ah, ben là, on voit là. Oh, les gamins. T'es mal à gauche, ça va faire quoi? Vous allez péter votre pâtisserie. Oh, regarde là. Regarde. Ah, là, c'est ici, ah, c'est ici qu'on va s'affronter. Regarde, regarde, en face de leur hôtel, ils ont quoi? Ouais, je en mais, face de leur hôtel. Mais ils peut-être ont qu'on ça. Peut. Oh là là. Mais peut-être qu'on peut demander. Oh, 50% sur Zara. Subhanallah. Oh là là. Et moi, il y a un mec qui met un ciseau, c'est Usain Bolt. Heureusement qu'il n'y a aucune femme. Hein. Bon, vas-y, les gars, on traverse. Par contre, Yacine, tu dois payer un truc à Omar. Hein. Non, non, ça comptait mais pas. Mais ça comptait, les... arrête, frère. Arrête, t'as rigolé. Oh, hey. Allô. Hello. Hello. Oh. Fine, you. Fine. Thank you. On va regarder ça. Allez. Je savais pas que ça allait être un vrai magasin, genre. Caméra, il a dit, on a une caméra. Regarde les prix pour voir. On va regarder si c'est comme la France ou si c'est grave cher. Je sais pas ce qu'il y a le prix. Regarde les tickets. Aïe, ça fait plaisir de voir des vrais trucs. Combien? Les gars. Ouais. Ce pantalon Nike, il a 770 balles. 770 lira 779 balles. Ça fait combien en euros? Je sais pas. On est en train d'explorer les rails avant de faire les blagues. D'explorer. On regarde les bons trucs et tout. Avec Yacine tout devant là. Ah, il y a quoi? C'est quoi les bonbons de la Turquie? Bah, en fait, c'est comme en France. Hein. Ouais, c'est comme en France. Ouais, c'est comme en France. Je crois qu'il y a un autre étage en bas, Yacine. Hein. Vous attendez quoi en bas là? En gros, en bas, je crois que je vais des articles de foot. Mais oh là là, Starfall là. Ah. Quoi? Pourquoi tu dis Starfall là? C'est juste des manteaux. Et arrière, les manteaux en fourrure. Ah. Tais-toi, le mec il va nous kidnapper, il va nous mettre en garde à vue, bande de malades. Ah, c'est derrière. Ah, c'est trop de la maillot de qualité. Ah, tais-toi, ouais, tais-toi. Le vendeur il va nous mettre en garde à vue. Bon, attendez, avant, blague. Yacine, je vais te raconter une petite blague. Quel est. Pommette dure. Quel est le jambon que tout le monde déteste? Le jambon que tout le monde déteste. Le jambon que tout le monde déteste. Le porc, le salami. Le salami. Le salami, quoi. C'est quoi le salami? Mais le saucisson. C'est un saucisson, mais en gros, le salami. C'est vrai, c'est vrai, j'aime pas. T'aimes bien, toi? C'est pas marrant. C'était la blague? Non! Les Rey, on a le nouveau maillot de Arda Güler, Juventus.
Oh, Ronaldo El Nasser, Bellingham. Oh, il y a là les maillots. Hein. Tu veux quoi, toi? Tu veux quoi? En fait, je cherche le maillot d'Al Nasser de Nike. Mais il est là, Al Nasser, Cristiano Ronaldo. Et je cherche aussi le maillot de Messi. Messi Miami. Miami, voilà. Vous avez des Pokémon. Et regardez, il y a Among Us. Il a trouvé son maillot Al Nasser. Attends, je vais demander au monsieur. Cristiano Ronaldo. Do you have this in big? Big size. Ça, c'est big, Cristiano Ronaldo, Al Nasser. Do you like Ronaldo? Big size. Il s'en fout. Non, mais pas comme ça, en Nike. Oh, le vent. With Nike, do you have big? Non, t'as celui-là, regarde, le nouveau maillot de Benzema. Super moche. Mais t'es un ouf, toi. En blanc, peut-être. Il est trop beau, le maillot de Benzema. Inter Miami, c'est le noir et rose. Bah, c'est celui qu'il a, Omar. Ça, quoi, si, c'est ouais. Ça, Inter Miami. Mais non, c'est pas le... Mais c'est ça, Inter Miami. C'est le noir, il faut un tout noir. Ça, moi, je voulais prendre un maillot pour moi. Celui de Benzema. Tu m'autorises, mais c'est moi qui paye. Ah, mais du coup, ça se passe comment si on change des boutiques? Dans un autre magasin, je t'autorise à prendre un autre truc. Ok, bah, c'est bon, alors tu peux. Ok, vas-y. T'as les crampons de football sans émotion. Ouais, vraiment, ils sont mal faits. Regardez, tu mets ça, t'as 6 ampoules. Oh les gars, on vient de trouver. Quad, 25 euros. C'est les balades de 2 heures sur des quads flingués. Moi, je l'ai déjà fait personnellement. Vous voulez le faire ou pas? Non, c'est bon. C'est bon, hein. Oh les gars, c'est une dinguerie, on a trouvé. Regardez la vue de l'hôtel qu'ils ont. Moi, je suis désolé, vous m'avez dit j'accepte tout pendant 24 heures, je vous ai ramené dans ce que je pouvais. Oh là là, la dinguerie, grande piscine. Viens, ils font coucou. Qui fait coucou? Eux là-bas. Ah, les gamins, bonjour. Non, s'il te plaît. Salam alaikum, la baisse, Raki, la baisse. Profitez bien, machin. Il nous sous-estime. C'est grave drôle. Raya, la baisse. Oui, c'est là. On va demander si on peut passer une nuit. Voilà, si on peut passer une nuit, elle serait elle est belle, non? Ah non, comparé à notre hôtel, voilà, ça en jette de fou malade. On va demander, est-ce qu'on peut rentrer, s'il vous plaît? Non. Vous ne pouvez pas. Ils vont même t'attraper et me faire sortir. Ouais, sors. Leave out, please. C'est vrai. On arrive à l'entrée, ça doit être que des Russes ici. Cachez votre bracelet, mettez votre main dans votre poche. Ah ouais, cachez votre bracelet, c'est cachez vrai. Cachez pas vos têtes, parce qu'on est des touristes quand même. Regardez juste l'entrée, s'il vous plaît. Non, on va voir à droite. Non. Arrête. Parce que si on se fait charter ici, au moins on travaille. Bah oui, on va se faire virer d'ici, on pourra même pas aller à la réception. Okay. Au moins à la réception, s'ils nous disent non, on peut passer ici. Bah oui. Faut bien réfléchir. Regardez ça. L'hôtel de 5 ans, il est incroyablement beau. Oh, c'est un hôtel 5 étoiles. Hôtel 5 étoiles. Oh là 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 là. Salam alaikum, y'a le temps, on se fait pas virer. Oh là là, c'est incroyable. T'as dit quoi? On va demander les rails, on se capte après. On a réussi à rentrer. Masterclass. Attends, elle nous a dit que vous avez le droit d'y aller voir. Mais on va regarder, les gars. C'est inédit ce qui se passe. C'est inédit ce qui se passe. On est maintenant de l'autre côté. On est maintenant de l'autre côté, les rails. Grâce à Yacine qui parle super bien l'anglais. Est-ce qu'ils vont nous refaire coucou? Non, je pense pas qu'ils vont nous refaire coucou. Ils vont pas nous voir. Voilà, dinguerie maintenant. Il reste plus qu'à s'infiltrer et à aller dans la piscine. Je sais pas si. Là-bas, t'as une salle de jeu pour les bébés. Ouais, salle de jeu, salle de sport. On est en train de la rendre Dieu dans la dame. Regarde, Omar, il est en train de le shape. But the hotel is very beautiful. Yeah, it is really beautiful as well. C'est quoi ici? Ok. And if you go to this car, you will see. Il va demander si on peut rentrer. Ah, les gars, vous êtes des génies. Vous êtes trop forts. Thank you. Qu'est-ce qu'on fait ici, les gars? Il y a 2 minutes, on était au bazar. En Hesse. Oh, les. Oh, la dinguerie. Et là-bas, il y a une piscine intérieure. Microwave. Il y a une bouffe de nuit. Oui, regardez. Bon, on va y aller là, les mecs. S'il vous plaît. Et maintenant, on est carrément dans la piscine. On était là tout à l'heure, hein, en Hesse, et on va peut-être aller dans cet hôtel, les gars. Elle, il est trop gentil, lui, cette boss. Enfin, tu vois, il a un vrai salaire pour kiffer son métier comme ça. Ben ouais, il est trop gentil. Regardez, pâtisserie, voilà, je filmais ça tout à l'heure, maintenant on y voilà, est. Voilà, j'ai envie de lui faire un bisou. Il est trop j'ai gentil. Envie de lui faire un câlin. Voilà, ah, je me suis pris un coup de parasol. Ah, là, c'est le snack bar. Oh, la dinguerie. Omar, il est en train de rendre dieu d'un. Regardez, là, il y a encore une salle de jeu. Ils sont en train de jouer au billard. Ah, ils sont bien. Ah, le mec, c'est un bon de ouf. Voilà, c'est un bon. Les gars, c'est inédit ce qui vient de se passer. On a rempli à peu près tout. Déjà, on a rencontré. Venons, on s'assoit dans les bancs. On a le droit de s'asseoir. Maintenant, on est des clients. Déjà, le mec, il nous a fait la visite. Il est grave gentil. Ça faisait longtemps. Voilà, c'est trop un bon, par contre, ce mec, je vous jure. On a été à la réception. Il nous a dit, vous pouvez rester aujourd'hui et demain. Il faut payer 16 000 liras. Ça fait 600 euros. Équivaut à 600 euros.
Il y a une salle de sport de fou, une piscine. Il a dit il y a une navette pour aller à la plage. Il a dit il y a un bus toutes les 15 minutes pour aller à la plage. Il est là le bus. Donc les gars, on fait comment? On fait quoi? Moi, je veux y aller. Toi? Moi, je te suis. Toi, t'es là et toi? Moi, j'hésite parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il faut tout déplacer les valises. Mais non, on prend la psychiatrie. En plus, il y a toute notre famille. Du coup, si on va comme ça, ils vont péter un câble. Non, on va leur demander. On va leur dire, nous, on veut changer d'hôtel parce que là où j'ai été, je me suis précipité, j'ai pas eu le temps. Bon, on va voir ce qu'ils en pensent, d'accord? Vas-y, venez, on y va. Allez, va. Moi, je vous dis, s'ils en pensent pas bien, je vais tout seul. Ouais, ça vit, hein. Un petit 4x4. Une petite sortie. C'est bon les gars? Ouais, on va mettre des droites. Il est content. Regardez, tout à l'heure il a parlé, j'ai fait 2200. Vas-y, bah j'en fais une alors, il y a la vidéo. 2200 il a fait. Omar, je vais stream. T'as parlé? Ta patate à 1800. Vas-y, en attendant d'aller trouver d'autres. Juste t'as pas là-haut, tu vas te péter le doigt. On va voir, il va faire combien? Ouais, il va te battre, hein. Moi je pense qu'il te bat. Non, ça c'est un coup qui fait du bruit mais qui est pas puissant. Il va te battre. Jamais. Ah, la même chose. En fait, je crois la machine elle est bloquée à 2002. Est-ce que tu crois que c'est la honte? Ouais. Parce que lui, il a pris tout son élan, toi t'as fait juste tout droit. C'est-à-dire ta patate de tout droit, c'est tout son élan. Voilà, patate. Elle était éclatée celle-là. Elle était tellement nulle. Si tu nous dépasses pas, 2245. C'est une patate de sèche. Tiens. Là, t'as vraiment mis toute ta force. C'est-à-dire qu'avec une patate de sèche où je mange rien toute la journée, j'ai plus de force que lui. Arrête, Yassine, toi-même, t'as vu la machine, elle est cassée. Vous voulez qu'on monte là-haut? Il y a des bikinis. Non, ça va. Ok, bon. Vas-y, on y va. Oh non, c'est bon, restant. C'était une blague. Il a rigolé, hein. Ah ouais. C'était rigolé, hein. C'était pas une blague. Déjà, je dois. J'avoue, ça fait 1-1. Déjà, je dois te payer ton truc. Là, comment s'acheter un truc? Dépêche-toi. Ah mais y a rien, frère. Faut qu'on aille dans les trucs de foot. Moi, c'est que le football, moi. On rentre dans notre hôtel. Regardez la différence. Là, c'est. Regardez l'entrée. Alors, Oma. Il est venu dans la jungle. On a envie de se barrer. Mais tu penses notre famille, ils vont dire quoi? Ça, je vous dis la vérité. On est venu en famille nombreuse. Si que nous trois on va là-bas, ils vont péter un câble. Moi je me mets à leur place. Hein? Si je suis à leur place. Mais Yacine, si attends, je parler. Place, très bien laisse lui donner tu son dire. Argument. Si je suis à leur place et que je vois que Younes, Omar et Nassim ils y vont, mais wallah, je vous en voudrais toute ma vie. Vraiment, je vous le dis. Alors moi je me mets à leur place, j'aimerais pas qu'on fasse ça, donc je fais pas aux gens. Ok, vas-y, je t'explique maintenant ma version des faits. Eh, lui, c'est un enfant, il a 15 ans et il ouvre sa bouche. Il a 16 ans. Laisse lui dire son argument. Avec ton maillot tout taché là. Pistache, ta grand-mère a des moustaches. Pas de souci, ma grand-mère elle a pas de moustache, mais du coup. On arrive là-bas, on prend l'hôtel. Et tu vois, H24, on est là avec notre caméra. On dit, nous, on va pour les vidéos. Donc logiquement, tu viens, on te filme. Si tu viens, nous, on va pour les vidéos. Donc tu viens, tu te fais filmer. C'est pour le boulot, quoi. C'est pour le boulot, le khadma. Donc on vient, tu te fais filmer. Donc Omar, j'ai une question à te poser. Pas de souci. Si aujourd'hui, Younes, moi et Nassim, on y va, tu pèterais pas un câble? Bah, dis la vérité. Non. Dis la vérité. Non. Genre, wallah, je pèterais pas un câble. Vas-y, c'est bon, il est pas sincère. Voilà. La jungle. Là, on retrouve quoi? La pente de la mort. C'est grave drôle. Le matin, j'ai fait du sport, j'ai accéléré dans la pente. Il y a une pente, les frères. Wallah, elle est vas-y, atroce. Vas-y, on bombarde, on va à la plage, vas-y, on va leur demander. On court, voilà. On va demander, vas-y. Non. S'il vous plaît. Mais non. On en a parlé à notre famille. On en a parlé à notre famille, du coup. Tu vois, je t'avais dit. Ils ont eu la même réaction que j'ai annoncé à Younes et Omar. Et sinon, on part tout seul, c'est pas bien, tu vois. Eh, des machines, elles datent de 800 ans. C'est une dinguerie. Ouais, la salle. Ouh, ouais. T'as vu l'autre salle? Est-ce que tu l'as vu? Je l'ai vu. C'est trop lourd. Ouais. Je leur dis, venez, on continue à aller au magasin, mais qui se sont mis à poil, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? Viens. Tiens-moi ça. 42 degrés. Emma, viens. Avance. Emma, viens. Ça, 42 degrés. Est-ce qu'il y a un ensemble? Wesh, je suis pas un poulet. Il fait combien? 42. Bon, les gars, on reprend la vidéo. Il nous est arrivé une péripétie. On est tous en transpiration. Ça restera entre nous. Donc là, moi, je veux le maillot de Benzema et je dois un maillot à Yacine. Regardez les mannequins en Turquie. Regardez comment ils sont pâles. Mets-toi à côté, Yacine, pour voir. Des mannequins, t'as peur. Mais une claque est endorée. Regardez-lui comment il est balèze. Ah, t'es aux ordres de ta femme. Et lui, c'est le papa turc. Pour toi, il peut t'aller. Regarde, fais voir. Oh, toi, oh le gamin, toi tu y vas je pense. Hein. Eh, le pouvoir de Ronaldo les mecs. Club of Benzema. Club of Benzema. Ah, je crois, il est magnifique.
Okay. Comment il est heureux. Il est tout content. Il est tout content. Salam alaikum. Espèce d'antagonisme. Allez, on y va. Allez, on y va. Allez. Omar a dit qu'il avait une dernière petite blague. Je rigole pas. C'est une mouette, elle mange un sandwich. Et elle sert son sandwich. Et il y a une autre mouette, elle arrive. Elle voit son sandwich, elle est fait. On peut faire mouette. Non. Par contre, fais même pas le fou. Regardez son ventre, je crois qu'il est enceinte. Fais même pas le fou. Voilà, fais même pas le fou. Il est enceinte. Laissez-le dormir. Ouais. Pourquoi il est enceinte? Tu vois pas dans son ventre, ça bouge. Pousse-toi. Yassine, il est vétérinaire. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vois, il mange du quinoa. Yassine, c'est grave le genre de mec. Mais non, j'ai travaillé dans un zoo. Je vais vous laisser là. N'oubliez pas de mettre un like, abonnez-vous cette journée. C'était n'importe quoi. Encore, on vous a pas tout raconté. C'est passé des dingueries. Abonnez-vous. Ciao.